Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage des énergies de ce week-end, 6-7 novembre. Voilà, je fais toujours très plaisir en tout cas de partager ce petit moment avec vous. Donc merci en tout cas pour vos petits messages. Merci pour votre fidélité en tout cas et bienvenue donc sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc nous allons découvrir ensemble un petit peu les messages d'aujourd'hui. Allez, avec l'oracle du quotidien. Voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Alors, petit message aujourd'hui, nous avons. Alors, j'ai une autre carte qui s'était retournée. Bon, on vous dit que aussi que votre mental a besoin d'une pause. Hein, voilà. Alors, peut-être que vous ne savez pas où donner de la tête en ce moment et vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Donc, peut-être faire le vide dans votre esprit. Peut-être aller aussi marcher dans la nature pour vous permettre de remettre un peu vos idées en place. Donc aussi veillez aussi à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Voilà ces deux petits messages qui sont tombés. Alors on va les prendre. Et puis on vous disait qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous très prochainement. Donc on va peut-être vous faire une offre qui va être difficile à refuser. Hein. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Donc vous pourriez décider de vous lancer aussi dans votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir le meilleur, la meilleure option. Donc promotion, peut-être un rabais, peut-être une vente. Il vous suffit d'être au bon moment, au bon endroit, pour en profiter. Il y a vraiment une occasion favorable ici qui se présente, que ce soit bien sûr des nouvelles d'emploi. Peut-être le bon moment aussi, si vous attendez peut-être une occasion ou une offre qu'on pourrait vous faire aussi, peut-être pour l'achat d'une maison, hein, voilà, ou promotion à rabais, ou simplement une vente. Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment des occasions qui se présentent à vous. Et voilà, peut-être qu'actuellement aussi, votre mental a besoin d'une pause, simplement, le sommeil réparateur, et puis aussi le fait d'aller prendre l'air, remettre quelquefois vos idées en place. Voilà, donc voilà, vous êtes dans un petit peu un mental un petit peu qui a besoin de faire une pause actuellement, les amis. Allez, aujourd'hui on va prendre le Normand. Alors je vais laisser. Alors je suis en train de faire des bêtises. Bêtises, bêtises. Allez, on va mettre ça là. Là, 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 là. Allez, Mademoiselle le Normand, les rêves enchantés pour aujourd'hui. Voir un petit peu les messages pour vous. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée. Allez, des petits messages pour ce week-end du 6 et 7 novembre, s'il vous plaît. Bon, on va mettre ça en dessous. Ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Bon. Allez. On va voir, mais ça peut me parler déjà de deux choses bien distinctes. Alors, pour moi, une question aussi de retrouver sa stabilité. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, ça me parle de famille, de stabilité, de sécurité. Donc, la communication. Alors, il y a eu quelques trous. Moi, je vois qu'il y a des troubles ici. Bientôt, on va. Oui, bah, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, j'avais vu ça déjà, mais bon, allez, ça confirme tout simplement les messages que je venais de recevoir. Alors, j'ai pas qu'un message hein, pour aujourd'hui. Je crois que j'en ai d'autres. Hein, j'en ai deux. Alors déjà, on a l'enfant avec l'homme. Donc voilà, ouais, ça me parle aussi d'un père de famille hein, qui cherche sa stabilité avec son enfant. On voit qu'il y a eu des problèmes de justice avec la justice. On voit qu'on a été dans un environnement bien sûr négatif, des pensées négatives. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas vraiment une belle carte, hein, c'est vraiment un environnement négatif. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Alors moi, ça me parle d'un bâtiment. Pour moi, ça parle d'un tribunal, des affaires de justice, d'autorité.
quelque chose, bien sûr qu'il y a des nouvelles qui arrivent, puisqu'on va être éclairci sur une situation, voyez, où il y avait des troubles un peu, une situation confuse, où vraiment on manquait d'éclaircissement. Donc je pense qu'on est reparti pour un nouveau cycle. On voit qu'on va repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Vous voyez, on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre, voilà, par rapport à des communications. Alors c'est vraiment ici le dos de deck, hein, mais je sais pourquoi j'ai dit ça, parce qu'au fur et à mesure que j'ai découvert les cartes, j'avais ces messages qui m'arrivaient bien sûr à l'instant T. Alors pour moi, ça va me parler des choses qu'on a mis en action ici par rapport à un papa qui attendait peut-être un verdict des autorités par rapport à peut-être aviez-vous demandé peut-être la garde alternée, voyez. Moi, on me parle des nouvelles qui arrivent, qui va justement vous faire du bien, puisqu'on voit que c'est une situation qui va se rééquilibrer. Nous avons ici l'encre qui nous parle aussi de stabilité et de retour à l'équilibre par rapport à son enfant. Voyez, c'est bien, on parle bien de famille, de stabilité. Ça nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent ici sur des choses qu'on a mises en action. Donc même s'il y avait des environnements négatifs, on voit qu'il y a un retour positif pour vous. Pour moi, il y a une situation qui va vous faire du bien, puisqu'on va en avoir des nouvelles bientôt. Donc c'est un nouveau cycle qui commence pour vous, parce que vous allez peut-être obtenir, vous avez obtenu, bien sûr, alors peut-être pas la garde entièrement, mais peut-être une garde alternée. Voilà, donc il y a un retour à l'équilibre avec cet enfant, hein, pour le papa, ici. Et du renouveau, bien sûr. Ça me parle de renouveau avec cet enfant, bien sûr, hein, dans votre vie. Donc je pense qu'il y a une séparation qui ne s'est pas très bien passée. Et ça me parle aussi ici, on va plutôt parler de l'enfant, d'une situation qui se rééquilibre au niveau de justice et de rendu de justice. En tout cas, les nouvelles arrivent très prochainement. Et voilà, vous allez bien sûr en prendre connaissance, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui sont dévoilées et des choses qui vont bientôt, vous allez être bientôt éclairci dans cette situation. Alors pour d'autres, on verra que ici, ça va nous parler de retour professionnel. Donc du renouveau dans votre vie professionnelle. Si vous étiez en recherche d'emploi, on vous dit que les bonnes nouvelles arrivent bientôt, hein, puisqu'on voit que c'est une situation qui se rééquilibre dans votre vie professionnelle. Alors il y a eu peut-être un environnement aussi, hein, dans une situation qu'on a cherché du travail, on n'a peut-être pas trouvé tout de suite, ça a pris du temps peut-être. Aujourd'hui, on vous dit que les nouvelles arrivent. Ça nous parle bien de travail sur des recherches que vous avez menées. On vous parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour au travail dans le domaine concerné. Voyez, on a été déstabilisé à un moment donné, mais on voit que le travail revient, hein. Donc on voit que ces nouvelles arrivent ici. Ça va vous permettre de rééquilibrer votre vie professionnelle et votre vie, bien sûr, au niveau des finances, hein, puisque c'est symbole de stabilité, de sécurité. Donc c'est le présage aussi de la réussite. Vraiment, on va pouvoir retrouver cette stabilité financière et vraiment retrouver cet équilibre, tout simplement, par rapport à un travail. Même si on voit qu'il y a eu des difficultés, hein, dans ce domaine, on a eu une perte d'emploi, ou on voit qu'il y a quand même un retour, quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Donc quelque chose qui va rééquilibrer votre vie personnelle et votre vie financière et matérielle, et bien sûr du travail. Donc voyez, pour moi, il y a des papiers qui arrivent ici, donc lors de signature de papier par rapport à un nouveau contrat de travail ou quelque chose de nouveau qui arrive dans le domaine professionnel. Quelque chose qui va stabiliser, rééquilibrer votre vie aussi de famille, hein, si c'est votre cas, puisque la maison représente aussi quelque part l'énergie, cette vitalité aussi par rapport au passé. C'est une régénération de vos énergies, hein. Donc vraiment, on va pouvoir aussi ici avoir beaucoup plus de stabilité. C'est le positif qui arrive pour vous, hein. Voilà. Donc pour moi, il y a des signatures de papier qui arrivent pour vous par rapport à ici, bien sûr. Alors ici, ça va nous parler de travail, mais ça va nous parler comment on appelle ça, un bâtiment pas public, hein, mais ça va représenter ici cette stabilité, mais ces autorités, mais c'est un bâtiment administratif au niveau professionnel, hein, voilà. Donc on va signer ici des papiers par rapport à
Je cherche le nom. C'est bon, voilà, c'est pas c'est et ben ça va me revenir. Voilà, c'est un bâtiment, c'est le siège. Ouf. Voilà, donc pour voir, pour moi, il y a un siège qui va vous contacter ici, hein, le siège de cette société. On a ici beaucoup d'éclaircissements, des révélations. C'est la lumière, vous allez bientôt le savoir. Et on voit que vous allez vraiment être éclairé dans une situation qui est un petit peu troublante, puisqu'on a quand même cette lune, hein, qui nous parle de nouveau cycle, d'un nouveau redémarrage dans votre vie professionnelle. Ce qui va vraiment vous redonner l'équilibre et là, une situation bien sûr beaucoup plus lumineuse. Et puis, on nous parle vraiment de bons dialogues, de bonnes communications que vous auriez pu avoir. Alors, ce que j'ai oublié de vous signaler aussi, que par rapport aux autorités ici, on va vraiment y signer des papiers légaux concernant bien sûr la garde. Alors, c'est soit la garde alternée ou soit la garde d'un fils. Hein. Voilà, la garde. Parce qu'on parle quand même de retour positif au sujet d'un verdict. Hein. Voilà, vous êtes peut-être en attente, on vous dit que ça arrive. Et pour moi, il y a des papiers qui sont signés. Alors, peut-être pour une garde alternée ou tout simplement pour une garde tout court. Hein. Voilà. Voilà. Donc c'est positif ce tirage aussi parce qu'on voit que vous allez vraiment revivre quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, voilà. Donc même si votre mental est un petit peu avait besoin d'une pause, ben là je pense qu'il y a des occasions favorables aussi qui se présentent. C'est bien aussi ce début de tirage qu'on avait et que vraiment il y a des nouvelles perspectives, des nouvelles qui vont vous faire du bien, les amis. Hein. Allez, on va passer. Ben aujourd'hui, je vais prendre un petit peu. J'ai longtemps que je n'ai pas pris la libération énergétique. La libération et la mission de vie, voir un petit peu dans quelle énergie, l'énergie du moment, bien sûr, de ce week-end, hein, voir un petit peu ce qu'ont à nous dire cette libération et cette mission de vie. Bon, on a la protection quand même, hein, qui est sortie, donc c'est bien, vous êtes protégé, il y a des choses favorables qui se présentent. On va être dans un mental beaucoup plus reposé en tout cas. Alors, on va demander un deuxième petit message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, chakra du cœur. Vous voyez, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur. On va abandonner son mental hein, ici, vraiment, qui a du mal à, vous avez du mal à faire face parce que vous êtes submergé par des difficultés. Vous ne savez peut-être plus où donner de la tête, mais on vous dit que voilà, il y a vos idées qui vont reprendre leur place parce qu'on va abandonner une situation qui était néfaste pour vous. Voyez, il y a le chakra du cœur ici. Alors, ça peut nous parler de quelque chose qui vous tenait à cœur, mais on voit ce que vous désirez, vos désirs, vos projets, tous vos souhaits vont se réaliser. Vous avez vraiment la protection. Allez, bon, c'est trop. Allez, petit message pour nos amis. Week-end, s'il vous plaît. Pour ce week-end. Bon, on a le dirigeant. Donc, je pense que vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, il y a un changement de voie ici. Il y a quelque chose qui est hors de changement de voie. Alors, peut-être professionnellement, puisqu'on voyait qu'il pourrait être question de proposition d'emploi ici, après une recherche. Donc, peut-être aussi un poste à responsabilité. En tout cas, on voit qu'il y a un changement de voie pour vous. Et puis, il y a peut-être des choses aussi que vous allez faire, des choses que vous n'auriez jamais fait avant. Parce que, par exemple, si vous avez la garde de votre enfant, comme on avait dit, si vous étiez dans ce cas de divorce, c'est vraiment une décision importante que vous avez prise. Et puis, on voit que ça va vraiment changer complètement tout ce qui n'allait pas dans les domaines de votre vie, que ce soit professionnel ou personnel, hein, etc., etc. On voit que vous avez fait ce bon choix et que vraiment, c'est le temps de changer, de prendre une autre direction. Donc, c'est peut-être des événements peut-être imprévus, mais on voit qu'il y a aussi cette fatigue importante.
Et puis peut-être des choses qui se dégradaient, des choses qui pouvaient se dégrader par quelque chose qui vous rongeait. Aujourd'hui, vous avez décidé et vous avez décidé de faire le choix de tout ce qui n'allait pas dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, il y a vraiment un changement de voie ici. Donc, des choses que voilà, vous n'étiez pas habitué à faire parce qu'on voit que vous allez vraiment prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Vous allez être le dirigeant de votre vie. Alors, ça peut être le dirigeant de votre vie aussi personnel, mais professionnel évidemment, mais déjà vous personnellement. Hein, voilà, donc il y a vraiment du changement, mais un changement de direction sur des choses qui vous vraiment qui vous tenaient à cœur. Vous allez vraiment abandonner tout ce qui n'allait plus pour vous. Hein, voilà, vous allez le laisser de côté. Il y a ce lâcher prise ici, et on vous dit que vous êtes protégé. Allez, on va aller faire un tour dans le domaine sentimental, voir un petit peu le domaine du cœur, hein, voir un petit peu les énergies. Allez, les énergies dans le domaine sentimental. Allez, aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de l'amour, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Petit message, s'il vous plaît. Donc on va mettre ça de côté ici. Alors, on vous parle que il y a peut-être quelque chose qui a été de sorte de l'échec. Hein. Alors l'échec pour moi, c'était ici, on va nous parler de désir, de sexualité. Quelque chose qui a été peut-être mis en échec, quelque chose que vous auriez espéré et pour vous, vous n'avez peut-être pas obtenu ce que vous vouliez. Bon, on me parle d'échec aussi, des scènes douloureuses aussi. Et puis pas d'évolution. Hein, voilà, c'est vraiment ce que vous avez pris de cette leçon, difficulté à mener à bien quelque chose. Et ce quelque chose, ben, c'est peut-être ce manque de désir qu'on pouvait avoir par rapport à cette personne, ou peut-être dans votre vie de couple. Voilà, vous avez peut-être espéré que les choses se passent différemment. Et puis on voit que vous êtes un petit peu avec un échec. Hein. Voilà, c'est vraiment pas vos attentes, c'est pas vraiment ce que vous auriez souhaité pour votre évolution au niveau bien sûr sentimental ou au niveau sensualité ou sexualité, puisqu'on voit qu'on a ça qui ne va pas très bien dans votre vie pour l'instant. Alors on va nous parler ici de beaucoup plus de souplesse. Alors peut-être que par simplement vous n'avez pas été assez souple, pas assez tolérant, et puis ça a vraiment aussi généré des relations pas très agréables parce que vous n'avez pas obtenu ben, ce que vous auriez souhaité simplement. Et du coup, on voit que ça a dû peut-être instaurer des rapports pas vraiment harmonieux. Hein, voilà. Alors peut-être trop de rigidité, peut-être trop d'emprise, de pas être assez dans la souplesse, pas assez dans la tolérance. Voilà, donc pour vous, il y avait peut-être aussi ce besoin, hein, ce désir charnel, que peut-être que n'avait pas été comblé, et peut-être que vous n'avez pas aussi été dans la souplesse et pour essayer d'avoir de générer une relation, vous n'avez pas assez travaillé pour obtenir déjà peut-être une relation agréable. Et pour pouvoir aussi instaurer une relation harmonieuse. Hein, c'est ce que nous dit aussi ce tirage, ces cartes. Hein, voilà. Allez, petit message pour nos amis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on va demander un petit message, s'il vous plaît. Bon, on voit quand même malgré tout. Alors, les projets, mais les projets sur l'échec, sur la souplesse, c'est peut-être aussi le moment de réfléchir. Peut-être à vos agissements et de revoir un petit peu votre comportement hein, pour avoir aussi des relations, travailler aussi afin d'obtenir des résultats positifs. Hein. Voilà, donc il y a peut-être ce projet aussi de pouvoir aussi réfléchir. Hein. Allez, on va remettre un petit message, voir un petit peu ce qui va se passer. Allez, par rapport à cette sensibilité, cette souplesse.
cette souplesse. Bon, écoutez, pour moi, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'un retour, hein. Alors, on a peut-être pensé aussi à un départ. Pour moi, il y a un redémarrage, puisque ça nous parle quand même, malgré tout, qu'il y a eu peut-être des remises en question, des remises à plat, essayer d'obtenir aussi des résultats, de travailler un petit peu pour pouvoir aussi obtenir cet épanouissement et pour pouvoir aussi instaurer des rapports harmonieux, tout simplement. Voilà, c'est peut-être un projet, parce qu'on me parle de projet aussi, et peut-être un nouveau départ dans votre vie de couple, hein. Voilà, si vous êtes bien sûr ensemble, moi ça me parle de quelqu'un, voilà, peut-être que voilà, il y a aussi des efforts à faire pour pouvoir repartir sur quelque chose, un nouveau départ. Moi, ça me parle de nouveau départ ici. Et voilà, peut-être d'un projet d'avoir un nouveau départ et de revoir un petit peu ses comportements pour essayer d'instaurer au mieux des rapports plus harmonieux, hein, voilà, dans votre vie. Allez, on va aller voir avec nos archanges des anges, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, pour ce week-end du 6 et 7 novembre. Le petit mot de la fin avec nos archanges des anges. Allez, s'il vous plaît, des petits messages aussi. Donc, une carte qui s'est retournée, je pense. Non. Allez, des petits mots de la fin pour ce week-end du 6 et 7 novembre, s'il vous plaît. Allez, on nous parle de vos proches qui sont au ciel, se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction avec l'archange Azraël. Voilà. Voilà, tout simplement, c'est que voilà, il y a la protection sur vous quand même. Et puis on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, hein, puisque on a la bénédiction, et que bientôt vous allez cesser de vous inquiéter, tout simplement. Hop, j'ai tout le tas qui est tombé, moi. Allez, on vous demande aussi de vivre sainement, manger bien, dormez suffisamment, même si on voit que vous avez été contrarié, il y a des choses qui s'améliorent de toute façon. Et puis faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Et puis on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent, hein, tout simplement, hein. Vous ne courez aucun risque. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Vous allez vous retrouver dans une belle énergie. Voilà, c'est simplement mettez ces cycles à profit. Tout simplement, les amis. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous, surtout, hein. Je vous envoie plein de gros bisous, plein de positivité, plein d'ondes positives en tout cas. Et puis, je vous remercie en tout cas de votre fidélité. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, je vous retrouve demain pour, bien sûr, un nouveau tirage des énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!